Me revoici donc avec les collections bébés de chez Papers for You. Donc, je vous avais présenté l'album garçon, l'album fille avec les papiers de fond qui vont avec. Là, je vais vous montrer deux autres collections. Vous pouvez aussi assortir les papiers de fond. Regardez, comme c'est joli, ça va super bien avec. Et vous avez également le papier que je vous ai présenté à l'instant avec les tons pastels que je vais utiliser pour l'album mariage et qui servira aussi pour les albums bébés. En fait, ça va avec tout. Ce sont des fonds shabby très légers. Alors, on a le modèle Love in the Air. Je vous l'ai présenté, il me semble, déjà. Mais maintenant, je vais vous montrer celui-ci qui s'appelle Puppy Love Collection. Nous allons le découvrir ensemble. Dans cette marque, il y a beaucoup de papier pour enfants qui sont très jolis. Alors, on a 12 pages dans ce bloc. Donc là, c'est juste la couverture. Déjà, les sujets sont super mignons. C'est très, très léger. Vous voyez? On a un petit cocker ici. Des papillons, des fleurs. C'est très poétique. Ici, c'est le petit chat. Madame Lapinou, couleur pastel très jolie, un petit chat qui joue avec des papillons, ça fait assez printanier. Bon, c'est mignon. Regardez ces petits sujets, ils font des câlins. Petit doudou en lapin. Donc vous avez vraiment 24 motifs différents. Et ici la coccinelle. Voilà pour cette collection qui, j'espère, vous plaira. Donc, vous avez celle-ci ou celle-ci que je vous ai déjà présentée, il me semble. Avec les petits lapins, le renard, les souris. Il me semble que je vous l'ai déjà montré, celle-ci. Il y a aussi des die-cuts sur les fleurs. Donc pareil, elles sont très très jolies en carton. Voilà pour ces nouvelles collections que vous pouvez assortir avec tout ça. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vais bientôt reprendre les lives pour les ateliers. Donc j'espère que je vais retrouver ma voix pour qu'on puisse retravailler ensemble assez vite. Je vous dis à très très bientôt et merci de me suivre.